Cette scène de bataille, on la trouve sur le sarcophage d'Alexandre. Dit d'Alexandre, c'est celui dans lequel Alexandre a été inhumé? Non, pas du tout. On l'appelle sarcophage d'Alexandre parce qu'Alexandre y était représenté. Et celui qui en a décidé ainsi, c'est le dernier roi de Sidon, Abdalonimos. Pourquoi sur sa tombe, cet Abdalonimos voulait-il représenter Alexandre? Pour rendre hommage à celui qu'il avait placé sur le trône. Mais cet Abdalonimos est mort une quinzaine d'années après Alexandre. Et qu'est-ce qui vaut à cet Abdalonimos l'honneur d'être placé sur le trône par Alexandre? En 333 avant Jésus-Christ, Alexandre, encore au tout début de sa conquête, vient de remporter sa première grande bataille à Issos. Cette victoire lui ouvre la porte vers l'Égypte. Mais il doit d'abord pacifier la Phénicie. Or, en arrivant à Sidon, Alexandre rencontre une certaine résistance de la part du roi en place. Il décide donc de le remplacer par un autre représentant de la famille régnante, plus accommodant. Cet Abdalonimos, dont nous voyons ici le sarcophage, on dit qu'il avait perdu toute sa fortune et qu'il a été trouvé cultivant son jardin. En quelque sorte, c'est un jardinier qu'Alexandre a choisi pour être roi. Oui, tout à fait. En faisant d'Alexandre la vedette des scènes qui ornent sa tombe, Abdalonimos n'est donc pas un ingrat. Mais comment a-t-on retrouvé ce sarcophage? Suite à la découverte accidentelle en 1887 de l'antique nécropole des rois de Sidon, en Phénicie, l'actuel Liban, qui à cette époque appartenait à l'Empire ottoman. C'est donc le directeur du musée de Constantinople, Osman Hamdi Bey, qui conduira les fouilles et mettra au jour ce sarcophage-là, dit d'Alexandre, entre beaucoup d'autres pièces. Cette scène représente-t-elle une bataille que l'on pourrait situer et dater? On a souvent dit qu'il s'agissait de la bataille d'Issos, où le grand roi Darius, vaincu, avait fui en abandonnant sa mère, ses femmes, ses enfants, mais aussi tous ses trésors. En fait, il est normal de penser qu'on ait choisi une grande victoire pour en faire la décoration de ce sarcophage royal. Cependant, à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'un certain nombre de détails attirent l'attention sur le fait que ce n'est pas cette bataille qui est représentée. D'abord, la peau de lion. Dans la légende, et peut-être même dans la réalité, Alexandre ne s'est revêtu de la peau du lion qui couvre ici sa tête qu'après avoir remporté toutes ses victoires sur les Perses. Mais à Issos, ce n'est que le début de l'épopée. La peau de lion est un élément légendaire et non pas historique. Autre élément problématique, le personnage du cavalier casqué à droite. Comme il ne présente qu'un seul profil, on y a parfois reconnu Antigone le Borgne. Mais celui-ci n'a pas participé à la bataille d'Issos.
comme on sait par ailleurs qu'Alexandre ne s'y est pas couvert de la peau du lion, il ne peut donc pas s'agir de la bataille d'Issos. On ne voit qu'un combat qui combine, de manière synthétique, divers éléments de la légende pour célébrer toutes les victoires d'Alexandre, toute sa conquête de l'Empire perse. Cette scène n'est donc pas comme le reportage d'un combat en particulier. Non. C'est la glorification d'Alexandre victorieux, toujours et partout. Si la bataille représentée ici n'est pas historiquement situable, sa représentation reste elle-même un fait historique. Bien sûr, on place ces scènes au tout début de l'époque hellénistique, marquées traditionnellement par la mort d'Alexandre. Avec ce sarcophage, 10 ans plus tard, nous sommes encore dans une période de transition. La conquête d'Alexandre a changé l'échelle du monde grec. Grâce à elle, le monde grec s'est ouvert à l'Orient. Cette époque hellénistique va durer 3 siècles entre la mort d'Alexandre en 323 et la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Une bataille d'Actium remportée par Octave, le futur Auguste, sur Marc-Antoine et Cléopâtre. Cléopâtre ? Oui, Cléopâtre. Cléopâtre, qui est la dernière reine d'Égypte et qui est la descendante de Ptolémée, un général d'Alexandre. Mais ici, c'est encore la guerre des Grecs contre les Perses. Oui, la conquête d'Alexandre, c'est le dernier épisode d'une guerre qui, depuis 2 siècles, opposait le monde grec et le monde perse. Mais comment reconnaître les Grecs et les Perses ? Dans la bataille, il y a ceux qui sont en position de vainqueurs avec des vêtements typiques des Grecs. Il y a d'autre part les vaincus, les Perses, portant ce que nous appellerions des pantalons, mais aussi cette sorte de turban qui enveloppe leur tête et pas sous le menton, tout à fait typique. Il se signale aussi par l'usage de l'arc. Les archers perses étaient renommés. Quand on détaille la scène, on voit immédiatement qu'il manque quelque chose à certains combattants. Oui, si le marbre est bien conservé, en revanche, les armes rapportées en métal précieux ont disparu, emportées lors du pillage de la tombe. Face à la richesse de cette figuration, on peut supposer que le sarcophage, même enfermé dans l'obscurité d'un caveau souterrain, était, d'une façon ou d'une autre, destiné à être vu. En effet, on peut même supposer une stratégie visuelle pour la disposition du sarcophage. La scène qui contient le plus grand nombre de personnages et de diversité d'actions, la grande scène de bataille, est tournée du côté de l'entrée du caveau. De même, mais moins nettement, la scène de bataille du petit côté. Pour un éventuel visiteur entrant dans le caveau, ce sont donc les représentations de la guerre qui sont immédiatement visibles et semblent privilégiées. La guerre au cours de laquelle les combattants des deux peuples ennemis, Grecs et Perses, s'affrontent pour se mettre mutuellement à mort. Cependant, est également représentée la chasse. Une activité qui a cours dans un monde humainement pacifié. Après la mort d'Alexandre, ces scènes évoquent donc les deux aspects de sa conquête, la guerre et la paix.
dans la grande scène de chasse. Grecs et Perses se retrouvent côte à côte sous l'autorité du vainqueur Alexandre. Et c'est ce qui est nouveau dans un monde réunifié pour participer ensemble à la chasse au lion. La chasse au lion avait-elle une signification particulière ? Le lion, qui est ici au centre de la scène, est l'animal royal par excellence. Tuer un lion à la chasse permettait au roi d'affirmer symboliquement sa dignité, sa capacité royale. La scène de la petite chasse me semble avoir une résonance particulière. Sans doute parce que, agissant dans cette chasse à la panthère, ne sont représentées ici que des Perses. Ces représentations de la chasse, qui mêlent pacifiquement Grecs et Perses, marquent la fondation d'une civilisation nouvelle où ils vivront ensemble. La représentation des Perses, associée à la paix, c'est là un motif nouveau et propre à l'art hellénistique. Il y a donc, dans les motifs de la représentation, quelque chose qui marque un changement. Mais en trouve-t-on aussi dans la manière de représenter ? Oui. Et d'abord, dans la bataille, la disposition, qui exprime un mouvement d'ensemble où tous les personnages semblent entraînés par une même dynamique collective, une mêlée. C'est un élément de composition qui se distingue de ceux de l'art classique, qui mettaient plus en valeur les duels, les combats d'homme à homme. Ici, l'attention est attirée par le fait que la mêlée est dominée. En effet, depuis l'entrée, Alexandre apparaît face à nous et commande ainsi toute la lecture de la scène. Enfin, une composition symétrique, élément d'équilibre, met en valeur les vainqueurs en les disposant aux trois endroits stratégiques, l'axe central et les deux ailes. En effet, mais cette nudité est une convention antérieure à l'époque hellénistique. Les soldats morts à la guerre, devenus des héros de la patrie, étaient représentés sur leur stèle funéraire, combattant nus. En fait, la nudité exprime la transfiguration du combattant en héros par ce qu'Homère appelait la belle mort, la mort au combat pour la patrie. On retrouve encore assez de traces de couleurs sur les éléments sculptés pour comprendre qu'ils étaient à l'origine coloriés. Oui, à l'origine, toute la surface était peinte de couleurs vives. Beaucoup de ces couleurs sont passées, mais il existe des moyens techniques qui peuvent nous les révéler clairement. Par exemple, à l'intérieur du bouclier que brandit le combattant perse, était représentée une scène peinte où le grand roi recevait l'hommage d'un de ses sujets prosterné devant lui. Je pense que cette intensité particulière que vous notez pour le regard d'Alexandre n'est pas du tout accidentelle. Elle assimile sa figuration à celle d'une divinité. Certes, Alexandre est roi, et on le voit au diadème qu'il porte dans cette scène de chasse. Mais plus encore que roi, Alexandre est la divinité apparaissant dans la bataille. Et c'est sans doute comme tel qu'il a ce regard avec ses yeux presque exorbités. Depuis l'oracle de Zeus consulté lors de son passage en Égypte, Alexandre se disait fils de Zeus, du dieu Zeus Amon, dont l'emblème était la corne de bélier. Représenté ici, nous voyons Alexandre portant une peau de lion dont la mâchoire prend la forme d'une corne de bélier. Dans tous les cas, celui que nous voyons ici, c'est Alexandre Dieu.